Allons ici. J'avais déjà expliqué sur ça. J'avais déjà montré sur la définition de ce qu'on voit à Pegawatt. Souvenez-vous que j'ai montré sur Tigra. Mais à ce moment-là, il faut bien comprendre sur ça. À ce moment-là, j'avais réussi à trouver l'existence du zodiaque Tigra. J'avais pas encore trouvé. J'avais pas encore trouvé et j'avais pas encore su, surtout par Dieu et ses dieux, que le zodiaque Tigra, la Tigra, est nommée Pandora. Vous avez compris sur ça. En réalité, c'est Pandora qui est la Tigra. La Tigra est Pandora. Vous avez compris sur ça. Et non une personne. Quand j'ai commencé à faire mes recherches sur Pandora, Dieu Isis m'a fait comprendre de suite à l'esprit que le nom Pandora ne définit pas une personne, mais lié à un animal. Vous avez compris sur ça. Et elle m'a dit, c'est là qu'elle m'a guidé à l'esprit, m'a fait comprendre de revenir sur le zodiaque Tigra. Vous avez compris de ce que j'avais montré. Parce que là, ils vous ont caché qu'on voit la représentation de Katia. Ils ont caché sur Katia, la fille de Dieu Isis. Et là, on voit très bien que sur la veste de Katia, on voit le zodiaque Tigra. On le constate, regardez. Mais sous Stellarium, que quand on va sous Stellarium, on ne voit pas le zodiaque Tigra. Parce que Jésus-Christ Allah, il a caché. Vous avez compris sur ça. Et là, il faut comprendre, donc là, la fille de Dieu Isis Katia, qui va contre les reptiliens. Il faut bien comprendre sur ça. Puisqu'on voit de tout ce qui est militaire, soldats, démons, de tout ce qu'on voit avec eux, vous avez compris, chez les reptiliens. Et là, il faut comprendre, bien sûr, Katia qui défend et qui va contre les reptiliens. Mais là, il faut comprendre, souvenez-vous que j'avais expliqué que là, ils ont fait un rituel, donc ils font sortilège et sorcellerie, et ils ont mis le diable squeletton, regardez, le diable squeletton, qui est Jésus-Christ Allah, mais contre la fille de Dieu Isis, contre Katia. Vous avez compris sur ça, à la vidéo Pagouat. Donc, allons ici. Parce que ça, c'est très important à expliquer. Et j'avais montré la preuve sur ça, sur le zodiaque Tigra. Mais à ce moment-là, j'avais pas su que le zodiaque Tigra est Pandora. Le 4 février 2020, le nom Tigra de Dieu gagne. Est-ce qu'il est trahi? C'est surtout qu'on a la preuve absolue. On a la preuve absolue sur les véhicules. Les bolides, les voitures, et on voit que les reptiliens maudissent le nom Tigra. Parce que comme j'ai expliqué, on voit Opel Tigra, et bien sûr, on voit le nom Tigra de partout. On a constaté la preuve absolue. Ça montre la preuve absolue, l'existence du nom Tigra de Dieu. Le 4 février 2020, le nom Tigra de Dieu gagne et qui donne 2016. Le nom Tigresse, pas de gagne. Le nom Tigresse n'est pas de Gaïa. Vous avez compris sur ça. Et qui donne 2016. Le nom Tigresse, pas de Gaïa, et qui donne 2016. Le 4 février, la preuve absolue est là, et que j'avais filmé, souvenez-vous que j'avais filmé Stellarium, et on a la preuve absolue qu'on a vu, même Sabrina a vu, que c'est le nom Pandora qu'on a bien vu, avec le nombre 55. Donc là, on constate que Jésus-Christ Allah, il a modifié sur 2020, l'année 2020. Il a enlevé la lettre 1 et il a mis, c'est lui qui a mis la lettre E. Vous avez compris? Pour faire croire que c'est Pandore. Mais c'est pas Pandore qu'on voit. Vous avez compris? C'est la Tigra Pandora qu'on voit. Vous avez compris sur Stellarium. Donc il cache sur ça. Le 4 février 2020, Pandora est fatale. Pandora est fatale avec le 55. On voit très bien Pandora avec le nombre 55. Vous avez compris. Surtout que ce nombre 55 est très fatal au loto et aussi entendu au loto. Le 4 février 2020, Pandora est fatale avec le 55 d'or et qui donne 2016. Preuve de plus est là sur ça. Ce nom Tigra, vous pouvez vérifier, vous verrez, est utilisé sur les voitures, vous avez compris. Fin de cachet. Donc, à vous, ils disent Tigresse, mais c'est eux qui ont créé ce nom Tigresse. Fin de cachet, le nom Tigra d'Isis.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les reptiliens? Les Asiates, de tout ce qu'on voit là sur Internet. Hein. On voit les jeux. Donc, on vous dit la boxe, il y a plein de jeux. On voit très bien le nom Pandora. On vous dit qu'il y a 7 000 jeux, 5 000 jeux, 2 000 jeux. Et on voit écrit Pandora Box. Mais pourquoi ils ont fait ça, les reptiliens? Parce que c'est contre l'arrivée de la Tigra Pandora. Vous avez compris sur ça, parce qu'ils savent la vérité sur la Tigra Pandora. Le 28 décembre 2019, afin de cacher le nom Tigra d'Isis et Kidon 2016. Le 4 février 2020. Donc, sur Internet, on voit que de la merde. Donc, eux, ils font croire que Katia, qui est la fille d'Isis, est soi-disant Greta, la sorcière Greta. Mais c'est du n'importe quoi. Vous le constatez. Pandora brise Pandore. Alors, la boîte de Pandore qu'ils vous disent là, boîte de Pandore, Pandore. En réalité, c'est le cube. C'est le cube démon qui se nomme Pandore. Vous avez compris sur ça. Le cube noir et qu'on voit et qui fait le lien avec l'Arabie, leur mosquée de tout ce qu'on voit. Vous avez compris. Et qui fait le lien avec la dimension reptilienne. Vous avez compris. Et leur labyrinthe. Le 7 février 2020, la Tigra lève Jésus. Vous avez compris? Donc la Tigra, ça veut dire que la Tigra est de Jésus. Vous avez compris sur ça? Comme on peut écrire la Tigra et comme on peut écrire aussi Pandora, vous avez compris? Parce que quand vous dites la Tigra, ça parle de Pandora et ça parle du zodiaque Tigra. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Le 7 février 2020, la Tigra lève Jésus et Kidon 2016. Bien sûr, il y a d'autres tigres et qui, bien sûr, il y a d'autres noms. Mais il faut comprendre sur ça, ce zodiaque tigrin et le nom Pandora est très sacré et très très important. Vous avez compris sur ça. Le 27 février 2020, voilà. On a la preuve de plus sur ça. Et qui fait le lien avec la Voie lactée et qui fait le lien avec la tigre? Vous avez compris. La Tigra tuera Jésus. Et Kidon 2007. Le 27 février 2020, la Tigra tuera Jésus et Kidon 2016. Le 21 février 2020, le Zodiac Tigra d'Anna règne. Ils ont caché sur ça. Et ce qui les trahit, c'est surtout la vidéo Petgoat. Le zodiaque Tigra d'Anna règne. Ah, veuillez m'excuser. Ah oui, voilà, je me suis trompée. Le 21 février 2020, le zodiaque Tigra. C'est pour ça que c'est très important à montrer ça, parce que on a constaté la preuve absolue comme ils maudissent le nom Tigra. Le 21 février 2020, le Zodiac Tigra d'Anna gagne et Kidon 2016. Alors, le 5 février 2020, alors la Tigra Pandora, voilà, je précise sur ça. Le 5 février 2020, la preuve est là sur ça. La Tigra Pandora est là. C'est pour ça que c'est très important, parce que là, ça montre il y a la confusion sur les langages. Il y a la confusion sur les langages. On le constate parce que ici sur Terre, ils disent tigresse. Mais tigresse, ça ne se dit pas tigresse. C'est Tigra, c'est la Tigra qu'on dit. Donc vous le constatez qu'il y a une confusion de langage. On a la preuve sur ça. Et en plus, surtout, c'est surtout qu'il y a la preuve sur la tigresse. Qu'elle perd la bête tigresse. Elle est là, la vérité. La bête tigresse perd. Ils ont créé la bête tigresse contre Tigra.
C'est pour ça qu'on revient sur les vrais langages. Vous avez compris? Sur l'orthographe, on revient sur les langages de Dieu, on revient sur l'alphabet de Dieu. Vous avez compris? Parce que ce qu'on voit est faux. La bête tigresse perd. Et qui donne 2007? Le 9 février 2020, la bête tigresse perd et qui donne 2007? Après, il y a... Alors, est-ce que j'ai tout montré là? Alors, je vous montre la suite sur ça parce que j'ai pas fini. Voilà. Voilà sur ça, sur Tigre. Et vous avez compris que c'est la Tigre s'appelle Pandora. C'est Pandora qui est la Tigre. Et la preuve absolue est vue à la vidéo Pegloat.